L'Iran, le Hezbollah et le Front Polisario démentent les allégations marocaines. Mardi 1er mai, le Maroc avait rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran, prétextant un soutien logistique du Hezbollah libanais via un élément de l'ambassade iranienne à Alger. Pour le Front Polisario, le Maroc prend position dans des tensions et conflits propres au Moyen-Orient et entend les importer dans la région du Maghreb. Le Maroc veut se positionner vis-à-vis des questions qui se passent au Moyen-Orient et surtout la crise entre l'Iran, Israël, l'Iran et l'Arabie Saoudite et voudrait avoir en contrepartie les dividendes de ces pays en acquisant d'une manière infondée et injuste le Front Polisario d'avoir une coopération militaire avec l'Iran ou avec Hezbollah. Cette décision attire notamment l'attention sur la politique extérieure marocaine défaillante. La ficelle est grosse, elle ne passe pas, mais elle dénote surtout du désarroi du Maroc, de la diplomatie marocaine, suite à ses échecs aussi bien au niveau de l'Union africaine, tribunal européen, mais aussi au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Iran et le Hezbollah reprochent au royaume marocain de céder à des pressions étrangères, notamment d'Israël, des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et le Qatar ont vite sauté dans le train en apportant leur soutien à leurs alliés, saluant la décision du royaume marocain. C'est la position koweïtienne qui a ébranlé le Maroc, une position qui est tantôt en soutien des décisions du Conseil de sécurité de l'ONU, tantôt en faveur du Maroc. Rabat avait déjà rompu ses relations avec l'Iran entre 2009 et 2014 et ne les a officiellement reprises qu'en 2016.